Hi, everybody. Today, Music Time in Africa brings you inside the world of African music in Brussels, Belgium. This is Goldfinger Studio, and inside there's a session in progress by a trio called Kella Souf. It's led by a singer, guitarist, songwriter, Anana Haruna. Hi. Hi. How you doing? Good, and you? Good. Yes, come. Merci pour d'être venu me joindre à Music Time in Africa, ici, à Bruxelles. Je veux d'abord commencer avec une question. Comment tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique comme ça, en écoutant les gens qui jouaient. C'était au nord du Niger, pendant la rébellion. Donc, qui a fait que... Voilà, que j'ai vraiment tombé amoureux de la musique, la guitare surtout, les premiers moments que j'ai vu jouer. Parce que comme dans notre culture, la guitare c'est un nouveau instrument qui est venu avec la révolution et tout ça. Donc ça m'a... J'ai flashé sur ça et j'ai commencé à apprendre la musique comme ça. Donc la guitare était nouveau comme instrument? Ouais, dans la culture touareg, parce que la guitare, c'est dans les années 80 qu'on a découvert la guitare. Avant, c'est des instruments traditionnels comme mzad, et tembe joué par la femme. Donc, dans notre culture, normalement, en fait, c'est les femmes qui jouent la musique. Donc, les hommes sont plus dans les poésies ou dans les danses. Mm-hmm. Donc, la guitare fait que, voilà, ça a révolutionné, en fait, la musique chez nous. Donc, c'est un nouveau instrument. C'est intéressant. Et pour la chanson, la poésie, c'est toi qui écris ou qui crée la poésie dans tes chansons? Oui, c'est moi qui écris les chansons. Mm-hmm. J'ai une question pour Olivier. Comment tu es connecté à cette musique? Tu es belge, non? Ouais. Alors, comment tu te sens? Comment tu penses que tu peux connecter à ces rythmes et cette musique-là? Je pense que le truc principal, c'est le rythme. Moi, je suis fasciné par beaucoup de rythmes de tout le monde. Et la musique touareg, la rythmique est très fort et très particulier. Et pour moi, c'est vraiment... la chose principale que je peux connecter avec. Mais vous aussi, vous faites un mélange de musique. C'est touareg. Je remarque qu'il y a des morceaux très traditionnels avec les rythmes qui me sont touareg. Mais il y a aussi des choses un peu punk. Même, j'entendais un peu de punk. Ouais, ou bien... Stoner. Yeah. Ouais, stoner. Oui. Donc ça, c'est un nouveau son. Comme on dit, voilà, comme la guitare est arrivée comme un nouveau instrument dans la musique touareg. Et aujourd'hui, nous, Kella Souf, ce qu'on amène, c'est un nouveau son qu'on n'entend pas tous les jours chez nous. Donc, c'est ça qui fait la beauté de ces projets. Pour nous, voilà, c'est quelque chose vraiment de nouveau aussi pour les gens qui vont écouter dans les déserts ce son, chanter un tamashek, c'est quoi ça? Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Oui, c'est intéressant. Et vous êtes le producteur? Oui. Alors, comment tu penses de cette musique? Vous êtes en train de faire un nouveau album en fait, c'est ça? Ouais. Vous êtes en train de travailler sur les nouvelles chansons. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? En fait, c'est un peu une aventure. Au début, quand j'ai commencé à travailler avec Kella Souf, je faisais pas partie du band. Et après, j'ai rejoint le band. Et voilà, c'est très amusant de jouer ensemble. Et il y a un côté aventure parce que
au moment où on a commencé à produire l'album précédent, on savait pas exactement où on allait. Mmh. Et donc, c'était, allez, on veut trouver une certaine justesse dans le son et dans le propos, dans le... Et un certain son qui représente ce que Anana chante aussi. Et c'était pour nous l'aventure. Et on a retrouvé un début de son rock comme ça. Et ça s'est développé. Et après, on joue et on se dit, on sonne stoner à mort, tu vois. Bah, ok, pourquoi pas. Et après, voilà, les rythmes se mélangent, les influences, de manière complètement naturelle. Il fallait juste être dans l'état de dire, ok, on fait de la musique et on réfléchit pas trop, mais on réfléchit beaucoup. Et être un peu dans une balance comme ça de réflexion. Et voilà. Et le jour où on a joué ensemble, là, par exemple, là, on joue en trio. Et il y a un truc qui s'est passé et on s'est dit, ouais, ça c'est juste, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. Donc allez, on le fait. Donc il y a beaucoup d'improvisation. C'est pas forcément de l'improvisation, mais c'est juste, moi je dirais que quand on essaye de retrouver une certaine façon de jouer le rythme touareg avec un son qui est juste par rapport à la violence qui se passe dans le désert. Ça veut dire, on essaie de trouver une justesse par rapport aux propos, par rapport à le désert, ce qui se passe dedans, la culture et le son moderne d'aujourd'hui. Parce que tout ça, ça fait aussi partie de notre culture. Mm-hmm. Moi aussi, je viens d'Afrique, je suis tunisien, donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on partage. Ah oui. Parce que quand tu joues ting-ting, 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 c'est pas un, j'ai dit, ah, lui, il doit, je ne sais pas. Oui, c'est comme jouer de la percussion. Il y a des parties timbé par exemple, au lieu de le jouer au timbé, moi je le joue sur le clavier et avec l'autre main, c'est là les basses qui se placent et hop, il y a un truc qui se fait et c'est magique. Mais tu as dit tout à l'heure la violence dans le désert, mais ça, tu parles de quelle exactement maintenant, ce qui se passe maintenant ou... Moi je parle des guerres qui sont pas dans les... qui ne sont pas couverts par les médias de manière générale ou qui n'ont pas beaucoup d'attention. Mais ça, c'est un sujet que Anana, c'est un vécu. Que Anana pourrait te parler. Oui, en fait, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé ici, en Belgique, pourquoi tu es venu et si c'est lié à la guerre ou la violence? Bah, ici, quand je suis arrivé en Belgique, je suis vraiment arrivé comme ça, pas vraiment lié à la guerre ou à la violence. Mais c'est vrai, quand j'étais au Niger, avant j'ai quitté le Niger, on a quitté le Niger avec ma famille quand j'avais 12 ans. Donc c'est à cause de la guerre qu'on a fui, qu'on est parti en Libye et tout ça. Oh. Parce qu'il y a un problème politique entre le peuple touareg et le gouvernement central, le nigérien. Donc ce qui a fait, beaucoup de familles touareg sont parties en exil en Libye, en Algérie et tout. Et beaucoup de jeunes ont quitté leurs études et tout ça. Moi, j'étais à l'école, j'ai quitté mes études. Voilà, c'est vraiment un exil qu'on n'a pas vraiment un choix. Donc, qui a fait que voilà, je me suis retrouvé après dans l'armée. Tout jeune, je me suis retrouvé dans la rébellion. Donc, la rébellion en... au Niger dans les années 90, oui. Donc au nord du Niger, donc je me suis retrouvé dans la rébellion, c'est là où aussi que je commençais à apprendre la guitare. Ah. Et aujourd'hui, le son qu'on a trouvé, qu'on joue aujourd'hui plus rock, je pense que c'est un son qui exprime en fait la rage qui est en toi, qui t'a envie de sortir et que tu l'exprimes à travers la musique. C'est intéressant, j'ai entendu ça un peu, mais je me demandais d'où cette feeling vient. Il y a aussi un autre morceau que vous avez fait, un des nouveaux, et c'est très lent, et tu chantes comme une ballade. Mais vraiment, l'émotion sort beaucoup. Je me demandais de quoi tu chantes dans ce morceau. C'est un morceau en fait qui parle un peu de la solitude
la solitude, d'une manière, c'est pas parce qu'on n'est pas entouré des gens. On peut être entouré de beaucoup de monde, mais on sent une solitude intérieure. Cette solitude, c'est parfois un manque de la justice, un manque de ses droits, un manque de la liberté, qui fait que cette solitude, on le sent, même si on est dans une foule. Donc, ces morceaux parlent de ça, de quelque chose de très profond, en fait. Pour parler voilà, de ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui s'est passé il y a des années, par exemple dans les déserts. Les gens dans les déserts, ils n'ont même pas de l'eau à boire, l'eau potable, il n'y a pas. Et à côté, juste de leur campement, il y a des mines d'uranium qui sont ouvertes. Quoi. Et toutes ces mines ne profitent pas aux gens. Ils n'ont même pas des écoles, ni des soins de santé. Donc, il y a toute cette injustice, il y a toutes ces revendications qui fait que, voilà, je les exprime dans mes chansons. Parfois, je les partage avec moi-même à l'intérieur et j'essaie de les sortir pour les partager avec mon public, pour dire, voilà, il y a une douleur à l'intérieur que j'ai envie de partager avec vous. D'une manière où ça peut, je pense, même si on ne comprend pas, ça peut toucher, ça peut dire, voilà, ça parle de quelque chose de très profond. Donc ça te touche, tu vis avec ce sentiment-là tous les jours presque. Je vis avec ce sentiment et quand on se retrouve, par exemple, on joue en trio, là, et tout, on se retrouve, en fait, on vit la musique. Donc on vit la musique, on s'exprime. Donc je pense, Soufiane qui est le producteur, qu'on a commencé à travailler. Dès qu'on a commencé, il m'a dit « Ah, viens, on va travailler ensemble. » Et je pense qu'il a senti en fait ça. Mm-hmm. Donc directement, il y a une connexion qui a été faite. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, voilà, je pense on va continuer dans notre combat. Parce que je pense que la musique, c'est le meilleur combat aujourd'hui qu'on peut faire dans ce monde. Parce que, voilà, il y a tellement de la violence et des missiles. Ce qui se passe, voilà, ça fait peur. Je pense que la musique, on a envie d'amplifier la musique plus fort. Donner vraiment... faire la guerre avec cette musique, en fait. C'est ça. Est-ce que... Tu as déjà écrit une chanson ou créé une chanson qui s'agit plutôt de ce qui s'est passé ici avec les attaques, ou est-ce que non, tu laisses ça parce que c'était pas loin d'ici, hein, c'était dans l'autre quartier là. Ouais, les attentats, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, le terrorisme et tout ça, en fait, c'est vraiment un problème très complexe aujourd'hui. Oui. Parce que ça se passe ici, ça se passe chez moi, ça se passe partout. Et je pense qu'il y a une guerre qui est là. Moi, en tout cas, personnellement, j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Mm-hmm. Mais à un moment, ça nous dépasse. Parce que tellement il y a des intérêts, je pense, économiques qui sont là aussi, qui fait qu'il y a des conflits un peu partout. Mm-hmm. Et qu'on ne sait pas en fait qui a tort, qui a raison et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est vrai, nous, tout ce qui est violence, on est contre la violence parce qu'on a envie que nos enfants vivent dans la paix, vivent dans l'amour, et voilà. Et tu as des enfants? J'ai des enfants, j'ai trois filles. Donc, trois filles. Je les souhaite vraiment un monde meilleur. Ouais. Je les souhaite un vécu meilleur parce que, voilà, je ne regrette pas mon vécu, mais je pense... C'est un vécu un peu qui n'est pas vraiment plat. Mm-hmm. Donc voilà, il y a des balles, il y a des hauts, voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui nous rend fort dans la vie. Mm-hmm. Olivier, tu es parti encore au Niger? Non, pas encore. Tu veux y aller? Ouais, carrément. Quand est-ce que vous allez? Je sais pas, c'est lui qui... Prochaine tournée? Ouais, qu'est-ce que vous espérez? On espère vraiment la prochaine tournée pour la sortie du prochain album. On va faire une tournée en Afrique. Ça, c'est un projet qu'on avait vraiment. Mm-hmm. Et
Parlons de l'album prochain. Est-ce que vous avez un nom, un titre pour ça encore? Vous avez réfléchi à ça? Ça, je pense, voilà. Pour le moment, on essaie de ne pas donner... garder la surprise. La surprise, d'accord. Voilà. De garder ça pour nous. Mais quand est-ce que nous, on peut espérer d'entendre le nouveau album, de voir ça sortir? Quand? Je pense dans l'année prochaine, début de l'année prochaine. Oui, d'accord. Et on va aussi voir un vidéo avec des dromadaires dans la rue, des Bruxelles. Ce serait mieux de mettre des dromadaires sur la lune. C'était difficile, ouais, ce projet? De ramener un dromadaire à Bruxelles? Oui. Non, c'était pas très difficile. Non. Il fallait juste le vouloir. Non, c'est ça. Je pense peut-être qu'on peut amener des girafes aussi. Ah oui, il faut faire ça la prochaine fois. En tout cas, il faut faire plaisir à tout le monde. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous pendant la création de ce nouveau album. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. Et on espère bientôt aux États-Unis. Parce oui. que c'est une tournée qui est aussi qui est dans notre projet. D'aller partager notre musique à l'autre côté. Inch'Allah. Inch'Allah. This is Heather Maxwell from Music Time in Africa in Brussels, Belgium, with Kel Assouf. Sora, wa hanu.